quelque chose de moins important. Iniesta boost là. C'est bon ça. Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FUTSES pas cher sur un site fiable, je vous conseille FIFA Coins Buy, le lien est dans la description. Bonjour à tous, c'est Robert87000, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un pack opening pour la Totti. Vous l'avez compris avec la vidéo d'intro, c'est pour les Totti. C'était le pack que j'avais chopé l'année dernière avec Iniesta. J'espère que j'ai chopé du lourd également. Je viens de finir un live de pack opening. Ça s'est passé moyennement. Vous pourrez retrouver la rediffusion sur ma chaîne secondaire tout à l'heure. En tout cas, j'espère qu'on aura de la chance. FIFA Coins Buy m'a donné 15 700 points FIFA. Ça coûte que 40 euros au lieu que si vous les aviez achetés sur eSport à plus de 120 euros. Donc si vous voulez faire pareil, le lien est dans la description. Vous pouvez acheter des crédits également. Il n'y a aucun risque. C'est un site fiable et sécurisé. Il n'y a pas de problème. Je vous certifie qu'il n'y a aucun risque avec FIFA Coins Buy. Et si vous n'avez pas de carte bancaire, ben là vous pouvez passer par Allo Paradise et vous pouvez acheter des points FIFA avec votre crédit téléphonique. Pareil, le lien est dans la description. Si je chope du lourd dans ce pack, vu que j'avais mon compte qui était bloqué, j'ai eu des points FIFA pour PS4, donc je suis désolé pour les autres, mais en tout cas si je chope du lourd, je vous donnerai ce compte à 7850 points FIFA. On va dire si je chope un joueur au-dessus de 86, voilà, au-dessus de 86 de général, je vous donnerai les points FIFA et je vous dirai à la fin de la vidéo comment faire comme d'habitude, et je vous donnerai également les gagnants des deux concours que j'avais mis en place sur les deux dernières vidéos. On commence tout de suite, j'espère qu'on aura de la chance. C'est parti, on veut du Totti, hein. Je vous rappelle les Totti, Neuer, pour le moment qu'il peut y avoir des packs, Marcelo, Dani Alves, Thiago Silva et Ramos. J'espère qu'on va tomber sur l'un de ces quatre joueurs, ça serait tellement fantastique. La chance. J'espère qu'on va avoir beaucoup de chance, beaucoup, beaucoup de chance. Mais ça, on le saura qu'à la fin. Ah, DG. Oh, Jordi Alba, bim, premier pack, ça, ça fait plaisir. Voilà, ben, un petit Jordi Alba. Je sais pas pourquoi je dis Jordi Alba, mais ça fait plaisir quand même. Pour le moment, les gros joueurs sont un peu ils sont un peu perdus, ils doivent être bloqués sur le périph, on peut les comprendre. Ils sont perdus, mais quand ils vont trouver le chemin, au bout d'un moment, ça va tomber. Oh là 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 là, Alexandro. Pour le moment, j'ai des gros latérales gauche. En général, ça sent bon, ça. Ça sent le Marcelo, à force. Ah, bien beau. Oh non. Oh, Matuidi, j'ai skip, mais bon. Plutôt intéressant, un petit Matuidi, ça, ça fait quand même plaisir. Même si c'est vrai que ça ne coûte plus énormément de crédit non plus. Bon, pour le moment, on n'a que de la merde. Hein. Que voulez-vous que je vous dise? Que voulez-vous que je vous dise? On n'a que de la merde, on n'a que de la merde. Au bout d'un moment, il va peut-être falloir que ça sorte. Hein. Oh non. Oh, Kyle. Bon, ouais, ça se prend, mais bon. Bon. Ça serait bien que ça se réveille. Voilà, moi je dis ça, je dis rien, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça pourrait faire plaisir. Oh, Eriksen, c'est pas mal, mais bon. Oh, un petit Yedling aussi, ça c'est pas mal. Ça c'est un petit pack qui vaut des crédits. Tu veux pas nous le montrer, je sens que tu veux pas nous le montrer. Ah, eh oui, un petit Leno, évidemment. On va le prendre, le petit Leno, mais bon. Quel manque de respect. Moi, je ne comprends pas. Je donne tout là, je mets un maximum de points FIFA et il va me sortir encore. Oh, Gaudin, allez, c'est un peu mieux, mais ça vaut rien. Hein, Gaudin, on est d'accord, ça doit valoir 3 crédits quoi. Voilà, allez, ça vaut 3 crédits. Shaqiri, pareil. Allez, on garde quand même. Hein. Les packs, j'espère qu'on aura de la chance. Allez, fais-moi plaisir là, c'est les deux derniers, mais quand même. Allez, Bonucci. Bon, j'aurais préféré voir Chiellini, mais bon, Chiellini m'aurait foutu peut-être encore plus la rage. Parce que normalement il aurait dû être dans l'équipe de l'année, donc à choisir presque je préfère Bonucci, même s'il vaut quasiment rien en crédit par rapport. Oh là là, le dernier pack, la douille complète dans le dernier pack. Aïe, en plus il n'y a vraiment rien qui vaut des crédits, vraiment la douille complète. Bon, mais j'espère quand même que ce pack opening vous aura plu. J'ai eu un joueur à 85, on va dire, je savais pas trop, 85-86, donc les 7850 points FIFA, je vais vous les donner, tout simplement, voilà,
je vais mettre la vidéo sur Twitter. Il suffira juste de retweeter le lien de la vidéo et comme ça vous serez éligible et je ferai un tirage au sort demain soir. Donc dépêchez-vous à retweeter la vidéo. Les gagnants, je les affiche juste après. C'est maintenant que je vous affiche les gagnants de la dernière fois. J'espère que vous êtes l'un des deux gagnants. C'était Robert87000. Pensez à la partager, pensez à laisser un pouce bleu. Si vous voulez vraiment acheter des points FIFA, parce que c'est le moment, quitte à ouvrir un moment, c'est au moment de la TOTY. Le lien est dans la description, FIFA Coins Buy, c'est quand même beaucoup moins cher. Là, j'en aurais eu pour 120€ si j'avais fait sur eSport. J'en ai eu pour 40€, donc ça me fait un tout petit peu moins chier, en sachant que FIFA Coins Buy me les a offerts, mais quand je les achète, ça me fait quand même beaucoup moins chier. Et sur Halo Paradise, si vous êtes avec votre crédit téléphonique. Moi, je vous dis à demain pour un live et une nouvelle vidéo. Ciao les gars.